Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui on va parler mise à jour majeure, nouveau serveur KVK et peut-être une nouvelle civilisation. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune. Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne ? C'est ultra simple les amis, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les leaks et surtout dès la fin des playoffs de la Ligue Osiris, vous y retrouverez les pronostics affinés, ajustés le samedi suite à la vidéo chaque vendredi pour se blinder et vider le store de cette saison 8. Je vous le rappelle, on a toujours vidé les stores depuis 7 saisons consécutives. Jamais un store nous a échappé, on l'a toujours plié même avec difficulté, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien pour cette prochaine saison. Les amis, je vous le disais, entamons cette vidéo justement avec la liste des events et vous le voyez, il n'y a quasiment depuis quelques mois aucun nouvel event, un, peut-être deux maximum. Le jeu commence à tourner sur toujours les mêmes events, hein. On voit bien les events de Pâques par exemple, hein. C'était les mêmes que les dernières, que ceux de la saison d'avant, on a toujours la même chose, même le Team Draw, c'était la même chose. On se retrouve donc à tourner en rond sur le système de KVK, et ce n'est pas justement avec tous les nouveaux KVK que lance Lilith que ça va changer quelque chose. Regardez, faisons un petit tour avant d'aller sur les nouveaux serveurs et parler du timing de la nouvelle civilisation. Faisons un petit tour sur justement le nombre de royaumes perdus et surtout le nombre de KVK différents qu'on peut avoir. On a Hymne Héroïque, Lutte des 8, Conquête du Désert, 3, 4 avec Roi du Nil, 5 avec Siège d'Orléans, 6 avec Guerrier Libre, 7 avec Tempête de Stratagème, 8 avec Rezac de la Guerre, 9 avec le tout nouveau Alliance Invictus dont la carte est un petit peu éclatée quand même. Mais on peut se dire Lilith sur nouvelle par le KVK. Parler avec un, mais il n'écoute pas vraiment les joueurs. Car regardez, si on regarde déjà la liste, alors je vous en ai parlé la semaine dernière, hein, on le voit déjà, un déséquilibre de dingue, il n'arrive plus à avoir un matchmaking cohérent suite aux royaumes qui se désertifient, avec certains royaumes qui se renforcent comme le 1093, hein, on voit des déséquilibres notables. Et je vous disais, on a un record de 30 KD en même temps, 32 royaumes en même temps sur un seul KVK, mais ce record a été pulvérisé. Ce qui montre vraiment, hein, qu'il y a quand même de la galère au niveau du matchmaking. Regardez, si je ferme Hymne Héroïque, Lutte des 8, il n'y a aucun royaume en Lutte des 8. Conquête du Désert, aucun royaume en Conquête du Désert. Roi du Nil, aucun royaume en Roi du Nil. Ça fait quand même 4 systèmes de KVK et tout le monde est en Hymne Héroïque. Il n'y a personne sur les 3 autres. Siège d'Orléans, c'est plutôt intéressant, mais pourtant on n'a que 2. 4, 6, 7 royaumes en siège d'Orléans. Et regardez déjà cette liste, hein, comme elle est impressionnante. 7 royaumes, pareil, c'est pas encore ouvert. Ils sont en pré-KVK et ça galère, pareil, sur le matchmaking. Sauf dès le moment où on a 2 impériums. Et bien là, ça arrive à équilibrer, mais malheureusement, le nombre d'impériums est très limité. Guerrier Libre, qui a quand même encore pas mal de fans. Et bien pareil, seulement 3 royaumes, 3 KVK plutôt. Et regardez cette liste. C'est là, franchement, j'ai jamais vu autant de royaumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 à Loire, 16 à Lay, 17 Decayne et 18 Carolingien x 2, 36 royaumes sur un seul KVK. Sérieusement, c'est quand même la bonne grosse galère, le matchmaking de Lilith, 36 royaumes, c'est n'importe quoi. Si on continue les autres, dès le moment où on a un impérium ou deux, vous le voyez, je vous le disais, dès qu'on a un impérium, eh bien, il y a beaucoup moins de royaumes, ça devient plus équilibré, ça devient plus simple. Grosse, grosse galère pour Lilith sur ce système de matchmaking. Tempête de stratagème, tout le monde veut y aller, donc c'est plutôt bien plein. Rezac de la guerre, c'est très récent, on a pas mal d'inscriptions. Et Alliance Invictus, on n'a personne, il n'a pas encore été ouvert. Vous le voyez, hein, dès qu'on a de l'impérium, on n'a pas des listes à l'après-vert de ouf. Hein, c'est assez simple pour équilibrer de mettre un impérium, mais au final, ça déséquilibre complètement le KVK puisque l'impérium a de grandes chances de rouler sur tous les autres. Donc, des grandes listes de KVK, beaucoup de systèmes de KVK, 9, mais au final, la moitié servent à rien. Il n'y a aucun ou quasi aucun inscrit dessus.
Donc, est-ce qu'on a une petite galère au niveau, justement, des KVK qui arrivent? Partons en saison 3. Si on regarde la saison 3, les saisons 3, c'est équilibré, parce que c'est très simple, hein, c'est 4 royaumes de chaque côté, ça fait 8 royaumes au total, Imperium ou non-Imperium, hein, on s'en fout, on a les 8 royaumes avec le 32-81, l'énormissime 32-81, donc là, ils sont obligés de trouver un équilibre, au moins l'inscription, on n'a pas de débordement. En saison 2, c'est la même. Mais vous le voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de KVK. Hein. Regardez, hop, je replie. Tac, tac, tac. C'est long à refermer tous. On referme, on referme, on referme. Et voilà, 2, 4, 6, 8 KVK en saison 3. 2, 4, 6 KVK en saison 2. 2, 4, 6, 8, 10 KVK en saison 1. Et allons sur la saison de préparation. Et c'est là qu'on a la liste de tous les royaumes. Et vous le voyez, je me suis attardé là-dessus à regarder. Je me suis dit, regardons, on a sur ces KVK, hein, on a bien évidemment les graines de champion, les royaumes émergents, mais la petite, c'est comme les graines de champion. Hein, les graines de champion, c'est la Ligue Osiris. Les royaumes émergents, jusqu'au début de la saison 2, les gouverneurs avec plus de 10 millions de puissance ne peuvent pas émigrer vers les 25% royaumes les plus puissants de la région. Donc un quart des royaumes ont cette petite étoile. Donc un à chaque groupe de régions émergentes, c'est simple, c'est un par région, hein. Donc on a bien là, là il va en avoir un, le classement n'a pas encore été fait parce qu'il n'y a que 5 jours. On a encore un nouveau royaume hein, qui a ouvert, hein, 1 jour, 4h, 58 minutes et 55 secondes, 56 secondes, on le voit bien, hein, ça classe. Et si on regarde tous les suivants, il y a à chaque fois un royaume émergent qui est le plus fort. Et si on essaye d'aller par exemple ici sur 26 jours, il ne veut pas bien évidemment, on ne peut pas aller voir ce qui se passe, on ne peut pas aller voir s'il y a beaucoup de joueurs. C'est un petit peu volontaire de la part de Lilith hein, de brider le fait qu'on puisse aller voir. Mais en revanche, il faut avoir attendu suffisamment longtemps. Hein. Celui qui a 66 jours, il a 2 mois. On peut aller voir, si on va voir celui-là par exemple, 67 jours. On peut aller voir ce que ça donne. Il a une limitation de puissance à 10 millions pour la migration. Hein. C'est normal, c'est standard. 66 jours, on peut aller voir. Regarde le rythme. Il y a un jour d'écart entre les deux qui sont là. Le rythme là-haut a ralenti parce qu'on a 4 jours d'écart, comme je vous l'ai montré. Allons voir ce que ça donne sur un royaume qui est le plus puissant de son continent. On va en faire 2-3, vous allez pouvoir comparer. Est-ce qu'on a toujours massivement des joueurs qui arrivent? Alors sur ces royaumes-là en 66 jours, hein, évidemment, le temple perdu a été pris et on se retrouve avec des structurations classiques, hein, les 115, hein, le royaume est à présent en paix. Et on a 3 alliances au centre qui, ont le, qui se partagent le territoire. 1,5 million, hein, regardons le nombre de joueurs, 127 joueurs. 1,5 million, alors 1,5 million, c'est un peu léger pour un futur KVK saison 1. Une deuxième alliance d'1,5 million à 126, donc c'est plutôt actif. Hein. Et on finit sur la troisième, une troisième alliance à 800 000 et 113 joueurs sans requirement particulier pour les intégrer. Donc on peut se dire là sur le centre, si on a 3 joueurs, 3 royaumes, 3 alliances plutôt uniques, hein, on a 400 joueurs sur cette zone là, c'est tout. Regardez, on n'a pas plus, hein, on a peut-être là combien ils ont sur les I-15 en se disant quand même que 800 000 peut-être, bon, là, c'est du farm à mon avis, Académie, oui, donc c'est soit les petits, soit du farm, 86 joueurs. Donc en fait, sur ce serveur, hein, sur le centre, hein, on n'a pas beaucoup de joueurs qui peuvent aller. On se retrouve à 400, 500 joueurs, sachant que les royaumes hein, peuvent accueillir entre 3 et 5 000 joueurs, hein, un royaume sur Rock. On va aller voir autre chose, on va aller voir tout simplement, on retourne, et on va aller voir une autre graine de champion, hein. C'est des royaumes qui ont 2 mois, 400 joueurs en 2 mois, on doit bien s'ennuyer. On va aller voir un autre qui a le même ancienneté, la même ancienneté. Je pense qu'on doit pouvoir aller voir des royaumes dès le moment où ils ont 50 jours, où ils ont 50 jours. Allons sur le centre dès que je vais réussir à le trouver. On est ici, on est bien. Là sur le temple, je suis surpris parce qu'il n'y a rien, c'est bien le temple perdu. Oui, vous voyez là je suis surpris parce qu'il n'y a rien, il n'y a que 2 alliances qui sont sur ce territoire. La première, les FLL, je vous rappelle, c'est les plus puissants du continent. 110 joueurs sur 111, 1 100 000, ça reste quand même faible pour un KVK qui va arriver en saison 1, et on va sur le deuxième, il n'y a même pas de forteresse, hein, les FLX, 400 millions, il y a 96 joueurs. Là, au centre, on a 200 joueurs hein, pour se partager les terres du roi.
c'est encore une fois très faible. Hein. On va voir si on n'avait pas de chance. Hein. 400, on passe à 200. On a encore celui-là. Est-ce qu'on peut descendre en temps? On va regarder. Je crois que 50 jours, ça devrait passer. On va aller voir celui-là qui a 52 jours. Non, ça ne passe pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore réussi à récupérer 63 jours. 63 jours, c'est bon. On peut aller voir. Donc, ça doit être 60 jours hein, pour le temple perdu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez la durée exacte, mais il me semble que ça, 60 jours. Et 60 jours, on arrive, on voit quand même, hein, y a des creux. Et là, il n'y a que deux alliances, encore une fois, au centre sur le temple perdu. Hein, et on regarde, la première, elle a niveau 14 de cadeau. C'est très faible. 103 sur 103 pour 1 milliard 100 millions de puissance. Hein, les OD, c'est pas la principale. La principale, c'est eux. Ils sont à 1 milliard presque 5, niveau 18 de cadeau. 111 sur 111, pareil, on se retrouve donc au centre avec, ah non, on a un peu plus de joueurs qui peuvent rentrer, on a les OQ ici qui peuvent rentrer mais qui n'ont pas le droit d'aller au centre, on a 95 joueurs, 632 000, c'est de la farm probablement, hein. Et les OL, tac, on regarde, on est à 1 milliard, ça c'est pas mal du tout, hein. Et 114 joueurs, donc eux, ils sont un peu plus haut, hein, on va dire. 350 joueurs qui peuvent accéder à cette zone, 400 joueurs max, presque autant que le plus haut. Donc on se retrouve sur tous les nouveaux KD. Hein. Là, on vient d'en faire, alors on exclut évidemment hein, s'il y a un royaume de méga baleine, mais on vient d'en faire 3, on se retrouve entre 200 et 450 joueurs. Ça reste très faible sur cette zone-là, à l'orée d'un KVK saison 1, ça veut dire que les KVK ne vont pas être des énormissimes KVK. Regardons celui-là pour finir. Alors là, il n'y a pas grand-chose. On a les WTE hein, qu'on l'aide d'avoir pris. Puis, alors, ils ne sont pas très élevés, mais on a quand même un niveau d'alliance de cadeau qui est niveau 21. On a 104 membres sur 105 pour l'alliance principale. C'est faible, 104 sur 105, 104. On a 97, on monte donc à 200. On a une troisième alliance qui peut passer. On a une troisième alliance, hein, les RTE. Et ça va se limiter à ça, les RTE 104. Franchement, c'est très très faible à 300 joueurs. Donc au final, on se retrouve avec des royaumes. On peut faire une moyenne 350-400 si on moyenne tout ce que je viens de vous montrer. Ce qui laisse penser que entre les events qui sont vraiment très redondants, on a toujours les mêmes events hein, depuis quelques semaines, si ce n'est quelques mois, des KVK qui s'enlisent, excepté les méga KVK. On le voit, hein, très peu de KVK sont aujourd'hui bien pourvu, on retrouve toujours pareil, tout le monde va aller en hymne héroïque, regardez, hymne héroïque, hein. Tout le monde va en hymne héroïque, alors que Lilith nous fait des nouveaux KVK dont on se tape de ouf, il ferait mieux de les fermer et investir pour améliorer les systèmes de KVK qu'on aime, comme l'hymne héroïque, hein, et non pas rajouter des Crystal Tech. Sur les saisons de préparation, vous le voyez, les royaumes sont plutôt vides, peu de joueurs, peu de nouveaux joueurs. Si on rajoute à ça le timing de l'été qui va arriver, on est en avril. Normalement, si Lilith respecte ce qu'ils disent au niveau du timing, on devrait avoir une nouvelle civilisation qui va arriver. Selon vous, quelle va être l'année dernière? C'était en juin, si je ne dis pas de bêtises. On a eu la Grèce en juin. Est-ce qu'on va avoir encore une nouvelle civilisation européenne, quand on a eu la Grèce, ça a fait un très gros pic de joueurs qui sont arrivés. Pareil, les Vikings a fait encore un plus gros pic de joueurs qui a vite rechuté. Hein, mais pendant 2 mois, sur l'été, 2-3 mois, on a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Est-ce que, selon vous, on va bien avoir une nouvelle civilisation? Nouvelle civilisation, difficile à dire. Et quelle va être cette civilisation? Certains parient sur une nouvelle civ russe, d'autres africaines. Et d'autres encore d'Amérique du Sud comme les Mayas ou les Incas. Je pense, moi, mon avis, c'est qu'on va avoir une civilisation d'Amérique du Sud. D'autres vont parier sur la Russie, ou moi je pense que c'est pas d'actualité, et certains l'Afrique, ou encore une fois, hein, de l'Asie mineure. Mettez-moi en commentaire quelle civilisation vous aimeriez voir. Encore une fois, les Mayas ou les Incas nous feraient rajouter des nouveaux commandants qui pourraient être sympas. Alors évidemment, hein, on a déjà eu des nouveaux commandants comme Gonzalves de Cordoue, qui est le père du Terrico. On pourra avoir pas mal de civilisations qui sont possibles si on regarde encore une fois les commandants. Moi, je dis l'Amérique du Sud, ça reste le meilleur choix et surtout le meilleur timing serait l'été.
Voilà, écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le KVK. Si vous êtes sur l'un de ces KVK autres que les méga KVK, ça m'intéresse. Si vous pensez à une civilisation, n'hésitez pas à commenter et dire selon vous et pourquoi c'est cette civilisation qui va arriver. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et surtout ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. N'oubliez pas les amis, dès la fin des playoffs, la Ligue Osiris, on va se blinder avec une vidéo tous les vendredis pour plier le store dès que possible. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock. We'll be right back.